Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwad Info 1 au Sénégal. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars est lancée depuis 5 jours et c'est à pas de course que les 19 candidats en liste vont tenter de rallier les électeurs à leur cause. Elle devra durer 12 jours au lieu de 20 ans, comme le veut le code électoral sénégalais. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. 5 jours après le lancement officiel de la campagne électorale au Sénégal en vue de la présidentielle, comment se déroulent les meetings de part et d'autre et dans quelle ambiance, notamment à Dakar, la capitale? L'ambiance est là maintenant. Il est vrai que la campagne avait commencé timidement, mais l'ambiance est là puisque chacun y va de sa façon. Il y a eu des meetings, il y a beaucoup de caravanes puisque beaucoup de candidats ont préféré pendant les journées faire des caravanes. Il y a beaucoup de rencontres avec des structures, des métiers, par exemple les pêcheurs, les femmes, les jeunes, etc. Donc aujourd'hui, la campagne est là. Et bien sûr, ça se sent plus fortement au niveau des médias avec le temps d'antenne qui est un peu l'espace officiel de campagne électorale qui aujourd'hui est dépassé parce que à l'époque, c'était le moment le plus fort de la campagne électorale puisqu'il y avait une seule télévision, c'est là-bas qu'on pouvait voir le candidat. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui existe comme médias, avec les réseaux sociaux, tu peux suivre à la limite la campagne du candidat que tu veux en direct. Donc vraiment, ça s'anime actuellement à Dakar comme à l'intérieur du pays. Bon, ce qu'il faut regretter seulement, c'est que les incidents continuent. Il y a eu des incidents à 3 reprises au moins et c'était assez sérieux puisque parfois il y a même eu des blessés entre les candidats de Sonko, de Khalifa Sall, de APR, etc. Ce n'est vraiment pas l'idéal. Nous, on connaissait au Sénégal autre chose. C'est des candidats dont les caravanes se rencontrent et les deux candidats, pour donner l'exemple à leurs militants, rapprochent leurs deux voitures, se serrent la main et soulèvent les mains ensemble pour rappeler aux gens que c'est une compétition électorale. Ce n'est pas la bagarre contre quelqu'un. On vient demander aux Sénégalais de faire leur jugement sur qui sera le futur président de la République. Et on a pu voir, grâce aux images de l'agence France Presse, le candidat Khalifa Sall qui est déjà dans l'arène, mais aussi d'autres prétendants à la succession de Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye, porte-étendant de l'ex-parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF. Lui, les deux hommes toujours en prison, mais la donne peut changer plutôt que prévu. Mais la donne peut changer puisque la loi d'amnistie a déjà été votée. Avec les questions réglementaires, il fallait attendre 6 jours pour voir est-ce que des députés, parce qu'un dixième des députés auraient pu attaquer la loi au niveau du Conseil constitutionnel. Donc on ne pouvait pas promulguer la loi sans respecter cette période. D'autant qu'il y a plusieurs députés qui avaient voté contre, qui auraient pu attaquer la loi. Ce délai est complètement dépassé maintenant, il n'y a plus de possibilité d'attaquer la loi. On peut considérer que la loi d'amnistie est passée. Ce qui reste, c'est la promulgation, c'est-à-dire la signature du président de la République. En principe, c'est 8 jours quand c'est une procédure normale. Comme c'était une procédure d'urgence, le président a 4 jours. Et nous sommes actuellement dans les délais, de sorte qu'à tout moment, ils peuvent sortir. Bon, d'ailleurs même, vous avez un journaliste qui est très proche du pouvoir, qu'on accuse souvent même de participer à la manipulation de l'opinion en faveur du pouvoir, qui dit déjà que le président va signer le décret aujourd'hui. Et s'il signe le décret aujourd'hui, ils vont sortir aujourd'hui parce que avec l'amnistie, vous n'avez plus le droit de garder la personne en prison. Ça devient de la détention arbitraire. Et Ousmane Sonko dispose à nouveau d'un casier judiciaire vierge. Il a été réintégré sur la liste électorale. Expliquez-nous un peu tout ça. Oui, ça il faut le détacher du fait de l'amnistie. Puisqu'on a plusieurs fois discuté de cette question ici. Pour refaire l'histoire, quand son mandataire est venu pour prendre les fiches de parrainage, ce dont on a parlé suffisamment ici, on lui avait refusé la fiche de parrainage parce que Sonko avait été rayé des listes électorales. Le prétexte, c'était la condamnation à 6 mois dans l'affaire Adjissar, alors que tout le monde avait dit l'affaire Adjissar, la condamnation ne tient plus, puisqu'il a été mis en prison, la condamnation tombe, il faut refaire le jugement. Rappelez-vous, à Ziguinchor, quand les partisans de Sonko sont allés saisir le juge avait confirmé cela, en exigeant que Sonko soit remis sur les listes électorales. La direction générale des élections avait malheureusement refusé. Le truc-là a continué. On est allé jusqu'au niveau de la Cour suprême. Quand on est allé à la Cour suprême, la Cour suprême a ramené les gens
au tribunal de grande instance de Dakar. Le tribunal de grande instance de Dakar a confirmé à nouveau que Sonko doit être sur les listes électorales. Mais l'État a continué sa bagarre. C'est cette bagarre que l'État continue maintenant. C'est l'État lui-même qui a pris l'initiative de mettre fin à cette bagarre. Ils ont retiré le recours qu'ils avaient introduit. S'ils retirent le recours qu'ils avaient introduit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dernier jugement qui était celui du tribunal de grande instance de Dakar, c'est ce jugement qui est le bon, c'est-à-dire que Ousmane Sonko doit être intégré dans les listes électorales. Mais il faut s'arrêter sur cette affaire-là. Mais c'est grave. Rappelez-vous tous les va-et-vient de son mandataire pour venir prendre les fiches, on le lui a refusé. Parce qu'on a convoqué Sonko sur cette affaire, il y a eu combien de morts au Sénégal? Et on se réveille aujourd'hui pour nous dire encore que Sonko réintègre les listes électorales. Mais ça confirme ce que les gens ont toujours pensé. Il ne fallait pas qu'il participe à cette élection-là. Maintenant, comme les candidats, c'est déjà calé par le Conseil constitutionnel, même s'il revient sur la liste électorale, il ne peut pas être candidat à cette élection. Mais c'est dommage quand même que des politiques puissent avoir une moralité aussi basse et vouloir diriger un pays. Ousmane Sonko peut donc sortir à tout moment de prison ce mercredi. Mais est-ce que cela va changer quelque chose à la candidature de Diomaye Faye? Non, ça ne changera absolument rien. Puisque nous sommes dans un processus qui a déjà démarré. Le Conseil constitutionnel a déjà validé les 19 candidats qui sont en train de faire campagne électorale. Sonko ne peut pas du jour au lendemain devenir candidat parce qu'il aurait fallu qu'il passe par le parrainage, il aurait fallu qu'il dépose ses dossiers, il aurait fallu, etc. Toutes ces étapes, on parlait tout à l'heure de ce problème, sur toutes ces étapes, il avait été bloqué. Il avait déposé les 30 millions et tout, mais l'administration sénégalaise n'a pas joué franc jeu. L'administration a joué le rôle à la limite du parti du président de la République en bloquant tout simplement la possibilité pour Ousmane Sonko d'être candidat. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait de Diomaye Faye leur plan B. C'est Diomaye aujourd'hui le candidat et comme le PASTEF le dit, Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye, c'est un peu le jeu de mots qu'ils font pour dire aux gens c'est exactement la même chose. Et c'est Diomaye qui est en course, Sonko n'est pas sur le départ pour cette élection. 19 candidats sont en lice à ce jour. Est-ce que tous les candidats ont effectivement lancé leur campagne? Oui, tous ont lancé leur campagne. Tous ont commencé à présenter leur programme. Il y a beaucoup de promesses. Les promesses ont commencé comme d'habitude. Il y a de grosses promesses. Il y a un cas seulement qui est un cas spécifique et bizarre. D'habitude, dans une campagne électorale, le candidat au pouvoir, mais c'est celui qui lance sa campagne de façon extraordinaire. Il y a les moyens, il y a tout. Ici, Amadou Ba, au contraire, sa campagne n'a pas bien été lancée. Le meeting a été reporté au lendemain. Il a été retardé le lendemain de plus de 5 heures de temps. Sa campagne a été suspendue hier parce qu'il devait aller rencontrer le président de la République. Et beaucoup de supputations qui disaient que le président ne veut plus de Amadou Ba comme candidat. Il y a des éléments qui vont aujourd'hui dans ce sens. C'est comme si on veut le remplacer par Mohamed Ben Abdoulaye Dione. C'est quoi la réalité? On ne sait pas. Mais c'est clair qu'il y a un problème. Dans les meetings de Amadou Ba, on devrait normalement voir tous les premiers responsables de la coalition dont il est le candidat, la coalition Benno Bokayakar. Et il faut le rappeler également, Amadou Ba n'a pas été candidat pour être le candidat de la coalition. C'est le président de la République qui l'a choisi. Les autres ont déposé leur candidature. Lui, il ne l'a pas fait. Mais malgré tout, on ne l'a pas vu en meeting avec les ministres, les pontes, venir assister au meeting. Alors que quand on soutient une personne, la plus petite preuve qu'on peut donner, c'est de venir être présent pendant ce temps-là. Donc c'est le candidat pour lequel la campagne a des hauts et des bas. Les autres déroulent leur campagne, bien sûr. Quand ils ont les moyens, la campagne prend une certaine ampleur. Quand ils n'ont pas les moyens, la campagne se transforme en une caravane puisque la campagne électorale, comme on le sait, cela coûte excessivement cher. Alors même cher. Si les électeurs sont mobilisés sans la présence de leur leader, pour l'ex-PASTEF, la libération de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko devrait-il plus renforcer l'intérêt comme l'estime des analystes politiques? Mais s'ils les libèrent, ça va dépasser une campagne électorale. Je ne sais pas s'ils vont avoir l'honnêteté de dire aux gens qu'ils vont être libres à 14h. Parce que ça, s'ils le disent, Dakar s'arrête à 14h. Ça, c'est clair. Ou bien peut-être, comme ils l'ont amené en prison, ils feront la même chose. On va le mettre dans une fourgonnette blindée, l'amener chez lui par la force, parce qu'il va faire encore
comment on l'appelle encore, attroupement illégal, organisation de manifestations non autorisées, puisque si Sonko quitte la prison, il rentre chez lui et les gens sont au courant, mais il est clair que les Sénégalais vont venir l'accompagner. Mais ça prendra la place de la campagne électorale et ce jour-là, ce n'est pas la peine qu'un autre candidat parle parce qu'on ne parlera que de Sonko et de Diomaye. Et parmi les 19 candidats, il y a quand même une femme. Il y a une femme, Ante Babacar Nguom, une femme de 40 ans qui dirige une entreprise au Sénégal, qui est finalement malheureusement la seule qui est passée parmi les femmes, qui est une novice également sur l'espace politique. Mmh. Elle vient d'arriver avec cette campagne. Elle a des slogans intéressants, elle a son approche qui est différente de l'approche des autres. Elle est contre le système, elle le dit clairement. Elle n'est pas politique, elle est venue pour travailler pour le Sénégal. Elle ne ménage pas les politiques qu'elle considère comme des gens qui trompent les populations, qui sont toujours dans des combines. Elle dit qu'elle n'est dans rien de tout cela. Justement, puisqu'elle déclare qu'elle opte pour une grande marche de la relève, ces slogans qui sont tout particuliers. Mais c'est très clair, elle veut qu'on change la classe politique. Et c'est logique, puisque comme je disais tout à l'heure, elle ne mâche pas ses mots pour qualifier la classe politique. Mais la façon dont on les qualifie, ces gens, on ne doit pas leur donner une chance encore de diriger ce pays-là. Il faut les écarter. C'est pourquoi elle parle de relève, elle parle de femmes, parce qu'elle dit qu'il faut qu'on mette les femmes au devant, en disant qu'on a essayé les hommes, ça n'a rien donné, il faut qu'on essaye les femmes. On a essayé les politiques, ça n'a rien donné, il faut qu'on vienne voir ce qu'elle peut proposer pour le Sénégal. Donc, elle se défend, elle tient quand même un discours qu'on peut suivre. Le seul problème, c'est que la campagne électorale, de façon générale, la présidentielle en plus, mais ça demande toute une machine électorale qu'elle n'a pas, parce qu'elle vient d'arriver sur la scène politique. Il faut avoir des gens un peu partout au niveau du pays, ce qui n'est pas évident pour celle qui vient de se lancer pour la première fois dans des élections. C'est Ramadan et 95% des Sénégalais sont musulmans. Ce sont des moments de recueillement. Est-ce qu'on arrive tout de même à avoir une ambiance festive et des grandes rencontres comme il y en a habituellement pendant les campagnes électorales? Oui, il y a eu des meetings qui ont été organisés, il y a eu des caravanes qui ont été des caravanes extrêmement importantes. Mais quand vous regardez, c'est plus les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont là-bas. Puisque les personnes d'un certain âge, vous n'allez pas pouvoir les mobiliser pendant le Ramadan avec également la situation atmosphérique actuellement. Mais vous avez des jeunes qui sont là, qui ont jeûné, mais qui malgré tout font la mobilisation, se déplacent. Vous les voyez parfois même, vous vous demandez d'où ils tiennent leur énergie, ils courent. Alors que c'est clair qu'ils ont gêné pour dire que bon, eux, le Ramadan ne les empêche pas de faire cette campagne comme il se doit. Même au niveau de l'ambiance, les gens, il y a un qui provoquait en disant non, il faut remplacer la musique par des chants religieux comme c'est le Ramadan. Mais la musique est là. Non seulement la musique est là, mais chacun est allé trouver un chanteur qui lui a fait une musique spécifique avec son nom, pour son parti, etc. Mais ça marche, hein? Les camions sont là, les baffles sont là, l'ambiance est là. Donc le Ramadan n'empêche pas aux gens de faire la campagne, surtout les plus jeunes, les plus âgés certainement, sont un peu plus en retrait par rapport à cette campagne-là. Mamadou Diouf, pour revenir et pour terminer sur la question principale, alors que les choses semblent être régularisées ou rentrées dans l'ordre, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, quand enfin pourront-ils sortir de prison? Mais le plus rapidement possible, puisqu'il suffit que le président de la République signe le décret, qu'on le publie dans le journal officiel. À partir du moment où c'est publié dans le journal officiel, ils sont automatiquement libres. On ne peut pas les retenir en prison encore, sauf s'il y a des formalités à remplir pour sortir de la prison. Puisque quand on dit amnistie, ça veut dire qu'on a tout effacé. Mais quand quelqu'un vous dit qu'il n'a rien fait, cette personne également n'a rien à faire en prison. Merci d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis.